Salut mes petites frites, c'est Boisdin. Vous êtes 1213 abonnés. Et ça... ça me donne faim. Oui. Oui, excusez-moi, autant de frites, ça me donne faim. Vous êtes donc 1213, voire un petit peu plus maintenant. Je pensais pas que ça irait aussi vite. C'est pour ça que cette vidéo est un petit peu en retard. Mais la prochaine fois, je serai à l'heure. Comme le titre de la vidéo l'indique, on va d'abord parler de Tipeee. Voilà, j'ai une page Tipeee. Je vais pas revenir sur ce que c'est Tipeee. Il y a plein de gens qui l'ont fait beaucoup mieux que moi. Par exemple, vous pouvez cliquer ici là sur le Pac-Man et vous aurez une vidéo qui vous expliquera ce que c'est. Rapidement quand même, ça vous permet de me soutenir donc financièrement avec des tips. Tips, ça veut dire pourboire en anglais. Donc en donnant des petites sommes, 1, 2, 3 euros par mois pour me soutenir. Vous pouvez cliquer sur le logo qui est ici, le logo de Tipeee, pour aller voir ma page. Il y a des contreparties, comme par exemple des dessins si vous donnez 5 euros, je crois, et même des goodies si vous donnez plus. Et même si vous êtes un gros malade, je vous invite et on se fait une bouffe, une frite, etc. Grâce à l'argent que vous allez peut-être me donner, je vais me payer plein de frites et plein de bières, mais aussi, par exemple, un meilleur micro. Parce que le micro de la caméra est très correct, heureusement. Mais j'aimerais une meilleure qualité et aussi un grand angle, parce que la caméra, bon, vous pouvez pas la voir, hein, je peux pas vous la montrer, ne fait pas grand angle. Deuxième chose, 2 minutes pour dessiner. Je ne pensais pas que cette petite émission aurait autant de succès, donc c'est grâce à vous. Et pour étoffer un petit peu le concept, il y aura après les vacances de Pâques un premier test de 2 minutes pour dessiner battle versus. Ce sera très probablement avec LDF. Si vous ne connaissez pas LDF, vous pouvez toujours cliquer sur le Pac-Man qui est là pour aller voir sa page. Donc il y en aura ensuite d'autres, que ce soit donc IRL avec des gens que j'inviterai ici, ou alors sur internet via Skype interposé. Je vais également essayer de varier les techniques en utilisant par exemple d'autres stylos ou même de l'aquarelle. Dernier point concernant 2 minutes pour dessiner, parfois, même souvent, je ne suis pas fier de ce que j'ai fait en 2 minutes. Donc la dernière, Homer Simpson, bon, je suis pas très très fier du dessin, mais bon, c'est le jeu. Mais pour relever un petit peu le niveau, je réalise parfois certaines de vos propositions sur mon blog ou sur Instagram. D'ailleurs, il y en a certaines, celles que j'ai faites, qui passent devant vous. Et bien sûr, je prends tout mon temps pour ces propositions. Surveillez donc votre compte Google+, parce que quand je réalise l'une des propositions, je réponds ensuite en commentaire en mettant le lien de l'article ou de la photo Instagram. J'ai par exemple hier réalisé une proposition, je sais plus c'est de qui, donc un grippin qui tombe amoureux d'une machine à laver. Dernier point important pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, je vous en remercie et je vous dis que je prépare une autre émission qui va s'appeler Professeur Boisdin, donc en exclu le logo devant vous. Par contre, je ne peux pas vous dire quand est-ce que ça va arriver, peut-être dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6, je n'en sais rien, c'est en cours d'écriture, il y a encore beaucoup de choses à régler, mais le logo est là et le générique est presque fini. Ceux qui me soutiennent sur Tipeee en sauront plus avant les autres, que ce soit pour Professeur Boisdin, mais aussi pour BDM, et même pour 2 minutes pour dessiner, et auront même le droit à des petites vidéos bonus comme vous avez eu avec l'œuf de Pâques, et aussi des photos de tournage. Mais comme vous êtes encore là dans cette vidéo, je peux vous dire que le prochain BDM sera sur... les Schtroumpfs. Cette vidéo est maintenant terminée, vous pouvez aller chercher des œufs dans votre jardin ou regarder le dernier épisode de Game of Thrones. La prochaine vidéo sera pour les 2048 abonnés, où cette fois je vous demanderai de me poser des questions. Vous pouvez d'ailleurs commencer dès maintenant dans les commentaires et j'y répondrai pour les 2048 abonnés en espérant qu'ils arrivent pas trop vite. A bientôt !